Salut, salut les gars. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Tacham. Moi, c'est Florence et j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, il faut que je baisse un peu le volume car ma petite soeur au salon, n'est-ce pas les gars? Ce que nous allons faire, je vais pranker ma petite soeur Grace. Notre petite Andrea, elle est en train de dormir, je l'ai couchée au salon. Je vais pranker ma petite soeur Grace en lui faisant croire que la petite Andrea n'est pas de mon mari. Là, ensemble, nous allons voir sa réaction, nous allons voir comment elle doit réagir. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous ne voulez rien manquer. Et en nous regardant, n'oubliez pas de vous abonner, ce n'est pas encore le cas, de liker la vidéo et aussi de nous donner votre avis en commentaire. Alors, allons-y ensemble, n'est-ce pas les gars? Allons-y. Je vais chercher un angle au salon là où je peux déposer la caméra parce que elle ne voit pas que je suis en train de lui prinquer, n'est-ce pas? Donc il faut que ça soit vraiment réel. Allons-y les gars. Grace, s'il te plaît, va dans la chambre là, dans la valise de l'enfant. Tu regardes ses habits, son habit qui a la couleur rose là. On va lui mettre ça tout à l'heure, on va lui laver. Tu apprends déjà ces choses. Mais c'est bon en bas de la valise. Mais vas-y non. Les gars, je l'ai envoyé dans la chambre le temps pour moi de positionner très bien ma caméra à côté comme elle ne doit pas voir, n'est-ce pas? Donc, restez scotché, on va positionner la caméra. Les gars, j'espère que vous allez bien nous voir. J'espère que j'ai bien positionné la caméra. Donc, Grace, oui. Même si tu n'as pas trouvé, tu reviens, hein? On va chercher après. Ok. Andrea, ça va ma princesse? Ça va bébé? Grâce. Oui. J'ai un truc vraiment très important à te dire. Ok, vas-y, bébé. La petite Andrea, que tu vois ça, n'est pas l'enfant de mon mari. Et qui est-ce? C'est l'enfant d'un autre. Et qui? L'enfant d'un autre. Oui, c'est l'enfant d'un autre. Tu es sûr de toi? Comme je te dis là. Mais je vois la ressemblance, elle ressemble bien à tonton Marus, le teint est là, tout. Ils ont les mêmes pieds. Tu sais que ce n'est pas l'enfant de ton mari, comprends pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que il y avait un homme qui me draguait, tu vois. Et l'homme là, il ressemblait textuellement à tonton Marus. Et vu notre situation, car ça fait déjà, nous partons déjà à 6 ans de mariage, lui et moi, sans enfant. Et tu sais également toutes les paroles que ma belle famille m'a lancées, tout est conforme. Et au début, quand ma belle famille me parlait mal comme ça, là, tonton Marus il était toujours avec moi, tu vois un peu, non? Mais à un certain moment, vers la fin, là, lui aussi il a commencé à se ranger du côté de sa famille. Il rentrait tard à la maison, il sortait tôt, je n'avais plus accès à son téléphone. Des petits trucs comme ça là, donc je sentais qu'il était distant avec moi. Et durant la même période là, l'homme s'il a commencé à me draguer. Et comme on dit que Dieu fait ces choses, il ressemblait textuellement à tonton Marus. C'est alors donc là que j'ai commencé à réfléchir que peut-être c'est une route que Dieu a en train de me montrer pour m'aider à garder mon mari près de moi. Alors, il m'a dragué, il m'a fait la cour et j'ai accepté. Nous sommes sortis juste une seule fois comme ça là. Et puis je suis tombée enceinte. L'homme lui-même a question de connaître moi que je suis sortie, j'ai eu un enfant. Et c'est ça qui m'a permis de garder mon foyer jusqu'à présent, comme tu vois. Sans te mentir, j'avais déjà tellement gardé ça pour moi, c'était en train de m'étouffer. Il fallait absolument que je me confie à quelqu'un. Je n'ai pas voulu aller me confier à une de mes copines, car tu connais les amis. Elle peut être en train de mettre l'œil sur ton nom. Et une fois que tu viens te confier à elle comme ça, là, elle profite de ça pour mettre en rachat ton nom. J'ai voulu me confier à toi parce que tu es ma petite soeur. Je sais que c'est la famille, ça peut rester entre nous. Tu peux être au courant de cette histoire. Non, tu es la seule. Tu es la seule. Même l'homme en question ne sait pas. Il n'est même pas au courant que je t'ai commencé. Parce qu'on a fait une seule fois, pas plus.
après ça, j'ai arrêté tout contact avec l'homme. Dès que je suis enceinte, j'ai arrêté tout contact avec l'homme. Et toi, tu es sûre que l'homme ne doit pas s'embrasser un jour? Non, ça fait un bon moment, je n'ai même plus rencontré l'homme, je ne l'ai même plus. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton mari si c'est au courant de ça? Il sera au courant de ça comment? Mon mari ne peut pas être au courant de ça car je le dis à toi et je sais que toi, en tant que ma petite soeur et que tu veux mon bien et le bien de mon foyer, tu ne dois pas le dire à mon mari. C'est bien vrai, c'est ta petite soeur, mais moi, comme tu connais déjà, toi tu me connais, je ne peux pas garder ce genre de secret. Quand il veut voir ton mari, qu'est-ce qu'il veut faire? Quand il veut le regarder, je vais regarder l'enfant. Maintenant, il serait. J'aurais l'air bizarre devant lui, mais il va se douter de quelque chose. Toi, tu ne trouves pas ça bizarre? Non, toi aussi. C'était le seul moyen de garder mon foyer, non? Mais tu n'aurais pas dû venir me dire. Par exemple, tu ne sais pas comment garder ce genre de secret. Je ne peux pas m'avoir. Je ne peux pas te mentir. Comment garder ce genre de secret? Tu vas bien, t'inquiète. L'envoi, attends, je ne peux pas te bien. Ça va, maman? Ça va, maman? Comment je n'ai pas fier de voir notre petite princesse et voir que mon foyer est en paix? Comme tu sais, dans la vie, tôt ou tard, les masques ne sont pas tombés. Toi, tu n'as pas pu garder le secret. Quand tu viens me dire, me dis, toi, tu es sûr que moi, je suis capable de garder le secret. Parce que, un, déjà, moi, je ne sais pas moi garder ce genre de choses. Imagine un peu si ton mari est au courant, la mère au courant, le père au courant. Tout ça, maintenant, ça va maintenant créer des problèmes dans la famille. Et ce n'est pas bon. Quelle image est-ce que toi-même tu veux me donner en me racontant ce genre d'histoire? Toi-même, ne te mets pas à ma place. Mais moi, il ne peut pas me garder ton secret, ma. Non, mais toi aussi, grâce. Mais toi aussi, ne me mets pas à ma place. Non, tu aurais aimé que mon foyer se garde. Tu aurais aimé que mon mari me quitte. Non, pas jusqu'à ce point, mais tu pouvais encore un peu patienter. Il y a d'autres qui ont fait plus d'années que toi, mais ils sont toujours là. Tu pouvais un peu patienter. C'est aussi la réaction de tonton Maruse. Il était déjà sur le point de me quitter. Et si tu as dit qu'il devait te quitter, rentrer à la maison, c'est pas si il a quitté sa femme. Tu peux pas encore supporter. Mais moi, t'es maladie. Il ne peut pas moi garder le secret. Non, tu vas garder. Ah, il ne peut pas. Il veut garder comment? Il ne peut pas. Il t'a dit que moi, il ne peut pas moi faire ce genre de choses. Il ne peut pas moi garder. Non, tu vas m'aider à garder. Hé, grâce, toi aussi. Il ne peut pas te mentir. Il ne peut pas moi garder. Bon, tu es prête à ce que mon mariage se garde? Ah, c'est toi qui as voulu, non? En allant dehors, toi, tu t'attendais déjà à quoi? Tu es sérieuse là? Ah, maman. Il ne peut pas, il ne doit pas te mentir, il ne peut pas garder ce genre de secret, il ne peut pas moi, ça me dépasse. Oui, hey. Je suis là, non, ma bouche a seulement déjà envie de parler à tout le monde, il ne peut pas. Donc, grâce, tu veux garder mon mariage. Tu as mal fait de venir méditer. Donc, je ne peux pas te confier un truc, tu gardes. Il ne peut pas moi garder, toi, tu connais, tu vois comment je suis, non. Radio Batam, c'est moi, il ne peut pas. Tu as ma petite soeur, pourquoi? Donc, je ne peux pas avoir un secret comme ça, je viens te dire. Tu as mal fait de venir méditer, il ne peut pas te mentir. Tu as mal fait, il ne peut pas te mentir. J'ai mal fait comment? Donc, tu es prête à ce que mon foyer se garde? Ah, c'est toi qui as cherché, non? Et qui est? C'est moi qui as cherché. Attends, toi-même, tu regardes l'enfant. Il y a quelle différence entre elle et tonton Marius? Il y a quelle différence? Il ne peut pas être au courant. Tôt ou tard, les masques vont tomber. Tôt ou tard. Tu montes, tu descends. Il n'y a pas de différence maintenant, non? Si demain, l'enfant a commencé à devenir bordel. L'enfant de qui? Non, tu parles d'elle sur ce niveau-là. Tu connais que le gars était comment? Ça signifie que l'enfant de qui? Tu connais que le gars était comment? Non, grâce. Je pouvais attendre ça venant de tout le monde, mais pas de toi. Et dis à ma grand-mère, comment tu vas me dire ton problème, tu te fâches encore plus que moi, non? Non, c'est pas, c'est en fonction de ta réaction. Tu as très mal réagi, je pouvais pas attendre ça venant de toi. Ah, donc il va commencer à sourire, te prendre dans mes bras, dire que, oh, ma soeur, tu as bien fait. Donc, toi, tu penses que ça, c'est trop bien fait. Dans tous les cas, chacun porte sa croix. D'ici ce soir, comme il te parle là, dès que le père rentre là, non, il déballe tout. Tu as mal fait de me dire, d'ailleurs, même bail. Grâce, c'est toi qui m'as fait ça. Les gars, elle a mis les organes. Grâce s'est fâchée en vrai. Hey, elle s'est fâchée en vrai. Mais, Grâce, s'il te plaît, reviens, ma grand-mère. Reviens. C'est quoi? Pourquoi tu m'appelles? Tu souris, mais qu'est-ce qui se passe? Grâce! Assois-toi, je vais te dire quelque chose. Tu ris de quoi? Tu ris de quoi? Regardez là-bas. Et qui est? T'es folle, hein? T'es coucou à la caméra! Les gars, j'ai pranké Grâce et ça a marché! Prochainement, tu me fais encore ça, on ne va pas se mentir. Ouais, les gars, j'ai pranké Grâce et ça a marché. Hé, Grâce, tu prochainement, tu me fais encore ça, on ne va pas se mentir. Tu ris, hein? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez encore nous revoir dans un autre prank où je prank Grâce ou alors où c'est Grâce qui me prank. On ne sait jamais. N'est-ce pas les gars?
Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le nous en commentaire. Alors les gars, prenez soin de vous. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!